Bonsoir, nouveau numéro de Municipal 2014, Municipal 2014 numéro 8, votre rendez-vous politique pour tout savoir du prochain scrutin en mars dans les Yvelines. Je recevrai dans un instant François Deligny, maire socialiste de Guyancourt qui va briguer un nouveau mandat. Raymond Bescot, conseiller municipal à Magny-les-Hameaux, viendra également sur ce plateau. Nous verrons s'il entend ou non mener une candidature Front de Gauche en mars prochain ou s'il figurera sur la liste socialiste du maire sortant. Nous évoquerons aussi la situation à Maurepa avec 7 candidatures à ce jour plus ou moins déclaré. Premier invité de Municipal 2014, François Deligny, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Maire de Guyancourt depuis 2002, suite à la démission de Roland Nadeau, élu au sein du conseil municipal depuis 1989. 2008, c'était le premier scrutin sur votre nom. Vous avez totalisé 73% des suffrages au premier tour. Candidat une nouvelle fois, candidat serein. Est-ce que vous êtes serein aujourd'hui ? Avant d'être candidat, je suis déjà maire avec cette responsabilité d'aller jusqu'au terme du mandat et en même temps je serai candidat avec une équipe et une équipe sereine, oui, avec du travail devant nous, mais la sérénité. Mais comment vous abordez cette candidature, cette nouvelle campagne, lorsqu'à l'élection précédente on a été élu dès le premier tour 73%? Vous savez, une élection ne ressemble jamais à une autre. Je crois que ce qui est important, c'est de créer une dynamique. C'est la raison pour laquelle, avec mon équipe, et en perspective de mars 2014, nous invitons les habitants de Guyancourt, l'ensemble des habitants qui se reconnaissent dans le projet de ville, nous invitons à venir participer au bilan de ces 6 années et également à la préparation du mandat prochain, c'est-à-dire les perspectives. En tout cas, l'UMP a décidé de se montrer plus agressive cette année avec la candidature déjà déclarée de Ladislas Skoura. C'est un Guyancourtois, il a 25 ans, élève avocat au barreau de Paris. Quelle réaction vous avez sur ce choix de l'UMP de rajeunir sa tête de liste sur Guyancourt ? Je ne sais pas s'ils avaient vraiment le choix. En tout cas, je ne connais pas M. Skoura, ça va être l'occasion de le découvrir. Et vous savez, un rendez-vous démocratique, c'est pour que les habitants aient le choix, donc je pense qu'il y aura aussi d'autres candidats. Il fait de sa jeunesse sa force. Le précédent résultat de 2008 ne lui fait d'ailleurs pas peur. On va l'écouter nous développer son projet, notamment. Les scores de 2008 ne me font absolument pas peur. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Je pense que dès 2014, il va y avoir de très, très bons scores. J'en suis persuadé parce que je pense que les Guyancourtois ont besoin de changement. Ils ont besoin de voir de nouvelles têtes, de voir des jeunes, de voir de nouveaux responsables politiques. Donc, rien que sur ça, je pense que c'est important. Vous savez, l'équipe actuelle est là depuis plusieurs décennies avec une équipe vieillissante. On est en train de travailler sur de belles thématiques, notamment sur la sécurité. Je pense que la première chose qu'une ville doit garantir, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc ça, c'est très, très important. Je pense aussi que il y a quelque chose à faire sur l'activité économique sur Guyancourt. Il y a un très grand paradoxe à Guyancourt. On veut faire venir des sociétés sur Guyancourt. Hein. On connaît, par exemple, Mercedes va arriver sur notre territoire. Mais derrière, à Guyancourt, on est à 52% de logements sociaux. On ne peut pas faire amener les employés de Mercedes ici et leur dire, bah voilà, on a plein de logements sociaux à vous proposer. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, à Guyancourt, n'est pas cohérent. Donc, également, on va s'attaquer sur ce point-là. Et puis, je pense que le point crucial également, c'est la question de la démocratie locale. Je crois que la mairie a pris trop ses aises ici. Il nous reste encore un petit peu de temps. Il nous reste encore 6 mois pour ficeler tout ça. Mais on est prêt pour 2014. Votre réaction, François Deligny, à cette notion d'équipe vieillissante, cette déclaration de Ladislas Skoura ? Je laisse la déclaration à son auteur. Moi, ce que je remarque, c'est que ce qui compte, c'est la dynamique humaine. Et je peux vous assurer qu'avec mon équipe, on a cette dynamique humaine. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je sens un véritable décalage avec ce qu'est Guyancourt. Il y a une sorte de découverte de Guyancourt, mais qui est très étonnante. Le développement économique, vous savez comme moi que, évidemment, c'est un des atouts de Guyancourt, au même titre que la mixité sociale. – Lui parlait de villes pas adaptées pour ces entreprises de haut niveau qui embauchent des salariés cadres supérieurs, alors que la ville propose 52% de logements sociaux. L'habitat n'est pas en relation avec les entreprises qu'on souhaite faire venir ou qui viennent s'installer sur le territoire. Et pourtant, le Crédit Agricole a prévu une extension pour plus de 1000 nouveaux collaborateurs. Et pourtant, Malakoff Médéric a choisi de rester à Guyancourt. Et vous savez comme moi également que le technocentre Renault va accueillir des nouveaux employés. Il y aura 1200 emplois supplémentaires. 1200 emplois supplémentaires. Bon. Je crois que les chiffres parlent. Ce sera des emplois, des salariés qui viennent de l'unité de production de Rayen Malmaison qui viendront sur Guyancourt. Ce qui fait tout de même du logement un enjeu aussi.
pour développer l'habitation, l'habitat sur la ville de Guyancourt. Est-ce que ça fera partie de vos axes de campagne ? Bien sûr, je parlais des atouts de Guyancourt. Le développement économique, c'est important pour l'emploi, c'est important pour les ressources de la ville. Il y a également les grands équilibres et la mixité sociale en fait partie. Vous savez qu'un Guyancourtois puisse faire son parcours résidentiel à Guyancourt, ça semble très très important. Quand je parle de parcours résidentiel, c'est on a besoin à certains moments de la vie d'être en locatif aidé. À d'autres moments, il faut pouvoir favoriser l'accession à la propriété, notamment la propriété aidée. Ça fait partie des atouts de la ville. Pour continuer à vous faire réagir sur les points de programme qui sont développés par votre opposant sur le prochain scrutin, le candidat Ladislas Koura pour l'UMP-UDI, il évoque aussi la question de la sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la sécurité est assurée aux concitoyens, aux habitants de Guyancourt, Guyancourtoise ? Bien sûr, et nous avions... Parce que pendant l'été, il y a eu des débordements suite aux événements qui se sont produits sur Trappes. Ça a aussi touché en partie la ville de Guyancourt. Hein. Bien sûr, et avec une d'ailleurs médiatisation qui était étonnante, puisque finalement beaucoup de gens vivant dans les différents quartiers de Guyancourt nous ont dit être surpris par ce qu'ils pouvaient entendre au niveau de la presse nationale. Mmh. Il ne faut pas cacher un débordement quand il a lieu. Vous savez, la sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Il faut que la police nationale puisse faire son travail, et c'est un travail de sécurisation, avec le droit régalien évidemment, et puis que la police municipale intervienne en complément. C'est ce qu'elle fait. On a une police municipale à Guyancourt qui est très proche des administrés, à la fois avec les points écoles, les cavaliers verts, l'enlèvement des épaves, le contact avec les habitants, l'écoute et la disponibilité pour assurer cet autre aspect de la sécurité qui est la tranquillité des habitants. Mais dans certains quartiers, justement, des habitants se plaignaient d'un manque de tranquillité aussi sur la ville de Guyancourt. Est-ce que ces problèmes ont été résolus ? C'est la raison pour laquelle j'aborde aussi cet aspect-là. Il fait partie de ce que doivent faire en complémentarité la police nationale et la police municipale, bien sûr. L'enjeu de ces élections municipales, on a eu l'occasion déjà d'en parler, c'est aussi ces élections au conseil communautaire dorénavant. Les électeurs vont désigner aussi leurs élus au prochain conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis il y aura une part aussi proportionnelle. On l'avait évoqué il y a 15 jours sur ce plateau avec le président de l'agglomération, Robert Cadalbert, qui sera d'ailleurs sur votre liste, hein, socialiste, aux prochaines élections municipales. Vous regardez avec attention les résultats probables des oppositions dans chacune des communes, dans votre commune aussi ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une nouveauté, avec ces fléchages, entre guillemets. Il va falloir d'ailleurs donner des explications, parce que c'est nouveau pour les électeurs également. Mais je voudrais d'abord rappeler que, vous savez, ce que sera la majorité de la communauté d'agglomération va d'abord dépendre des résultats des élections municipales dans les 7 communes. Ça serait donc prendre les choses à l'envers que de parler de la future majorité de l'agglomération. Elle proviendra des résultats des élections municipales. C'est la raison pour laquelle il est prématuré, de la même manière que, vous voyez, je suis pour la première fois à vous dire, j'invite les habitants à participer au bilan pour qu'ils puissent s'approprier le bilan. Évidemment, les élus l'ont travaillé. Je les invite aussi à parler de la définition et des perspectives pour le mandat prochain. Donc la liste viendra en son temps, chaque chose en son temps. En tout cas, ce sera une liste d'union ou pas autour de la gauche ? Alors, vous savez, on est dans une situation où à Guyancourt, il y a une liste déjà de rassemblement. Et le rassemblement a bien fonctionné pendant les 6 ans. Et donc c'est un bilan qu'on portera collectivement avec les autres sensibilités. Une liste de rassemblement de gauche avec les différentes sensibilités qui peuvent aller fièrement devant les électeurs. On aura du renouvellement, mais du renouvellement au sens où certains passeront le témoin, comme on l'avait fait en 2008, ce qui fait que d'ailleurs il est aberrant de dire qu'on est vieillissant. On est à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on vieillit d'un an par année, et en même temps, il y a toujours du renouvellement au niveau de l'équipe. Ça, c'est important. Il faut qu'on ait la diversité des quartiers, la diversité des âges, la diversité des couleurs politiques également. Au niveau d'un rassemblement, bien sûr, on est déjà dans ce cas à Guyancourt. Et donc, la démarche que je veux annoncer aujourd'hui, celle de travailler avec les Guyancourtois, on le fera avec les différentes sensibilités rassemblées. Et puis, le moment viendra de présenter une liste, mais faisons les choses dans l'ordre. D'abord, le bilan. Et vous savez que c'est un bilan qui est très fort. J'évoquais les atouts de Guyancourt. Le bilan, c'est l'ensemble des engagements pris en 2008 devant les Guyancourtois, et bien plus encore parce que dans bien des domaines, nous nous sommes adaptés à l'évolution de la ville et nous avons apporté, j'allais dire, au-delà des engagements pris en 2008. Et ce sont des engagements pris par une équipe rassemblée. Votre liste sera connue quand ? Dévoilée quand ? Ah ben, vous savez, en général, c'est vraiment dans la dernière ligne droite. Je le redis, on va d'abord faire ce travail avec les Guyancourtois. En même temps, j'ai la responsabilité avec mon équipe
d'assurer les services publics de qualité et de faire en sorte que la ville fonctionne régulièrement, quotidiennement, pour répondre aux besoins des habitants. Et c'est donc vraiment dans la période de dernière ligne droite et dans la campagne officielle qu'on présentera la liste. Et sans surprise, je peux déjà vous dire, ça sera une liste avec une volonté de rassemblement très fort, à l'image de ce qu'on a déjà fait la fois précédente, et avec une volonté de renouvellement. C'est bien normal, on l'avait déjà fait la dernière fois. On va évoquer tout à l'heure, dans cette édition de Municipal 2014, la situation à Maurepas, où il y a 7 candidats plus ou moins déclarés qui souhaitent devenir maire sur cette commune. Du côté des socialistes, Ismaël Havane, votre collègue au Conseil Général, puisqu'il est représentant du canton de Maurepas, sollicite l'investiture face à Hervé Miquelot, qui lui est conseiller municipal de la majorité sortante. Vous avez un favori entre les deux ? Je ne vais pas rentrer plus que cela dans les questions liées à Maurepas. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, je connais bien Ismaëla Van, qui est mon collègue au Conseil général. Nous travaillons dans le même groupe, avec le même sérieux, et je connais ses qualités, ce qui n'enlève rien aux autres. Pour autant, on peut en déduire que vous soutenez plutôt la candidature d'Ismaëla Van, malgré tout. Vous venez de le dire. Une dernière question, on va parler du cumul des mandats. Il y a un projet de loi qui sera présenté une nouvelle fois à l'Assemblée pour une nouvelle lecture. Je vous pose cette question parce que l'Express a fait un palmarès il y a tout juste un mois des différents élus, 1573 élus et le cumul des mandats en question. Vous êtes classé 748e sur 1573 élus. Jean-Paul Huchon est le premier des socialistes à la 446e place, voilà pour les précisions. Vous êtes maire, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, conseiller général des Yvelines également. Quel regard vous portez sur cette question du cumul des mandats ? Parce que ça divise la classe politique, hein, que ce soit à gauche, à droite. Oui, mais je crois que nous devons à nos concitoyens quelques explications. Je suis, pour ma part, totalement en accord avec l'idée qu'il faut absolument limiter les mandats, et notamment les exécutifs. Mais vous savez, quand on est maire, on est, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, on est forcément à la communauté d'agglomération. Ce n'est pas un cumul. Ça fait partie de son travail d'élu local. Et je suis maire et conseiller général, et je représente une partie de Saint-Quentin-en-Yvelines au conseil général, sans être dans l'exécutif. Ce que je veux souligner, c'est que je suis contre le fait d'avoir deux exécutifs, parce que c'est trop lourd. Vous savez, mes responsabilités de maire, je les assume entièrement. Ça demande énormément de temps. Et quand on est à l'agglomération ou au Conseil général, c'est pour porter les besoins du territoire, c'est pour travailler dans l'intérêt des habitants et les représenter. Par contre, être à deux exécutifs, ça n'a jamais été ma volonté. Merci François Deligné, maire de Guyancourt socialiste, candidat à un nouveau mandat en mars prochain. Et vous reviendrez sur ce plateau nous dévoiler votre liste cette fois-ci. Merci à vous. Merci. À Maurepas, donc, je vous le disais, cette situation qui reste pour le moins compliquée. Nous en avons parlé sur cette antenne. Si vous suivez notre journal quotidien, pas moins de 7 candidats potentiels et des échanges qui se tendent. Alors que la campagne débute à peine, dernière tension en date lors du conseil municipal du mois de septembre. Voici un petit rappel. Qui sera le prochain maire de Maurepas ? 7. Ils sont aujourd'hui 7 à convoiter le poste occupé par Georges Mougeot depuis 4 mandats et ils se sont retrouvés jeudi soir lors du conseil municipal. Michel Chapa, deuxième adjoint aux finances, d'hiver gauche, soutenu officiellement par le maire sortant. Michel Hay, également adjoint au sport, celui-ci, qui se présentera sur une liste indépendante associative. Hervé Miquelot, adjoint socialiste à la culture, qui sollicite l'investiture d'ailleurs de sa formation, tout comme Ismaël Havan, conseiller général PS du canton de Maurepas. Sans oublier Jean-Saint Doufory dans l'opposition, écologiste, Pierre Le Guérinel, premier adjoint de la majorité, représentant de l'UDI et qui sollicite le soutien de l'UMP, ainsi que Grégory Garestier qui siégeait pour la première fois en remplacement d'un conseiller d'opposition démissionnaire. Lui aussi envisage l'investiture de l'UMP en mars en tant que chef de file du parti sur cette ville. Et entre les deux hommes, le ton se durcit. Et je rappelle quand même que M. Le Guérinel a été investi par le PS en 2008 et que maintenant il essaye de repartir à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Moi j'appelle ça un OPNI, un objet politique non identifié. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire, on ne sait pas trop où il est. Donc qu'il règle ses problèmes avec l'UDI. Et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que la tension monte encore d'un cran en salle du Conseil, après l'annonce par Pierre Le Guérinel de sa démission de la majorité. Afin de préparer sa campagne, son opposant n'a pas fait dans la demi-mesure en parlant de mascarade. Il a été en réalité désigné comme tête de file, même s'il a dit longtemps qu'il était investi. Je crois qu'il y a eu un rappel à l'ordre de la part de la présidente de la fédération pour dire que ça n'était pas ça. C'est parfaitement clair, M. Garestier n'a pas l'investiture. Vous voulez un scoop ? Eh bien, j'aurai comme colistière, ma numéro 2 de liste sera celle qui, la dernière fois, avait monté une liste à côté de la mienne. Ce sera Nicole Malaquin.
et l'UMP devrait trancher avant la fin de l'année et choisir son représentant en mars. Du côté des socialistes, la scène a été observée avec attention par Ismaïl Avane et Hervé Miquelot, eux aussi en concurrence donc, et qui attendent que les militants fassent leur choix le 10 octobre. Toute ambition est légitime. Je le dis comme je l'ai dit et comme la section le sait, je pense qu'il a un poste de conseiller général à assumer, qu'il faut le reprendre en 2015. Et je pense qu'une complémentarité est plus significative pour le PS qu'une concurrence interne. Une fois les investitures officialisées de part et d'autre, restera ensuite au candidat à composer avec les listes indépendantes mais aussi dissidentes. Michel Chapa, élu depuis 1989, le seul à avoir reçu le soutien officiel du maire, se dit serein. Il y en a qui choisissent une politique de rupture, un programme de rupture, hein, ils le disent. Ben moi, ça sera tout le contraire. Ça sera une politique de continuité, un programme de continuité, bien entendu, qui évoluera, qui présentera des propositions nouvelles. Quand on décide de se présenter, c'est qu'il y a autour de soi un certain nombre de personnes qui vont dans le même sens, qui poussent, en général qui poussent, qui acceptent, qui coopèrent, qui sont en plein accord avec soi-même. Hein. On n'y va pas comme ça tout seul. Alors effectivement, il y a une équipe assez fournie autour de moi, prête à assumer les responsabilités. Et concernant la candidature de l'investiture d'Ismaïl Avane, le socialiste annonce que les militants, si les militants le choisissent, lui aussi entend réaliser une liste d'ouverture au-delà de son parti, peut-être un appel du pied à certains membres de l'actuelle majorité. La ville est plutôt belle, bien gérée. Georges Mougeot, qui est maire d'hiver gauche, ancien socialiste, de l'avis de tous, fait du bon travail. Je le dis aussi. Je souhaite, si je suis amené à monter une liste, avoir une liste la plus large possible et qui aille au-delà du Parti socialiste parce que c'est une élection locale. Deuxième invité de ce numéro de Municipal 2014, Raymond Besco, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Actuel conseiller municipal, délégué au développement durable et au déplacement. Début juillet, Le Parisien vous présentait comme candidat du Front de Gauche en mars prochain. Voici d'ailleurs l'article dans lequel vous répondez aux journalistes. Avec cette candidature, on se met en ordre de marche, on va discuter sur des bases claires. Pour être clair justement, êtes-vous candidat aux prochaines élections municipales à Magny-les-Hameaux? Oui, je serai candidat au titre du collectif Autre Monde et du groupe Autre Monde qui existe depuis maintenant plus de 7 ans sur Magny-les-Hameaux. Certains ont pensé que je voulais être tête de liste. Mmh. Ce n'est pas le mandat que l'on a pour l'instant. Je serai chef de file du groupe Autre Monde dans le cadre des futures élections municipales. Quand vous annoncez votre candidature, ça veut dire que vous serez présent sur la liste socialiste de Bertrand Houillon, du maire sortant? Je serai présent sur une liste aux élections municipales. Nous avons pas forcément avec l'actuelle majorité. Je ne sais pas encore. Nous sommes en discussion avec l'ensemble de nos partenaires de gauche, les socialistes, les Verts, pour travailler à la fois sur le programme de notre prochain mandat, mais surtout sur le bilan des 3 mandats écoulés, puisque c'est le 3e mandat où nous travaillons ensemble sur Magny-les-Hameaux. Vous laissez planer tout de même le doute sur cette candidature? Non, il n'y a pas de doute. Parce que vous parlez de chef de file. En général, un chef de file se retrouve tête de liste sur une, candidature. Pas spécialement, non. Ce n'est pas la lecture que nous en avons. Nous avons une tradition à Magny-les-Hameaux d'avoir un groupe, d'avoir plus de groupes dans la majorité, et ce qui n'empêche pas de travailler ensemble depuis maintenant 3 mandats. Mais il y a finalement, en général, une seule liste de gauche. On verra, c'est notre volonté, mais on y travaille. Ça veut dire que tout le monde ne va pas dans ce sens-là? Où en sont les discussions non, avec la majorité actuelle, si avec vos collègues? Je ne sais pas si vous avez des informations. En tout cas, je cherche à les avoir, c'est pour ça que je vous pose la question. Nous travaillons, nous discutons dans une très bonne ambiance et surtout, nous continuons à appliquer notre programme jusqu'à la fin du mandat. Aucun problème entre nous au sein de la majorité. On sait qu'au niveau national, en tout cas, il y a des voix Europe Écologie Les Verts pour un rapprochement avec le Front de Gauche, la gauche de la gauche. Eva Joly le souhaite notamment. Elle proposera une motion le 30 novembre prochain à Caen lors du congrès d'Europe Écologie Les Verts. Quel est votre avis? Il faut que le Front de Gauche se rapproche d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce que ces deux partis doivent se rassembler dans l'opposition? Je ne me prononcerai pas au niveau national, mais en tous les cas, je peux vous dire que les Verts de Magny-les-Hameaux viennent d'adhérer au collectif Autre Monde la semaine dernière.
Donc vous aimeriez revoir la même chose au niveau national, peut-être, cette alliance-là. J'ai pas cette ambition-là. On va essayer de travailler sur Magny-les-Hameaux. Voilà, je n'ai pas d'ambition au niveau national et pas de conseils à donner à ce niveau-là. C'est trop compliqué. Alors après, il y a des responsables de parti aussi. Hein. Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche, pilier avec le PCF du Front de gauche, qui est très critique vis-à-vis des socialistes du gouvernement, mais des socialistes en général. Vous, c'est pas le cas sur Magny-les-Hameaux. Vous n'êtes pas critique avec le maire socialiste. J'aime bien Jean-Luc. Il dit des choses extrêmement justes sur la politique. Et vous le connaissez bien, visiblement. Et exactement. Il dit des choses très, très justes au niveau national sur la politique qui est menée par le gouvernement et qui ne nous convient absolument pas. Maintenant, sur Magny-les-Hameaux, nous travaillons avec nos camarades socialistes de très bonne manière depuis fort longtemps. On sait que l'UMP fait de cette ville une priorité avec la candidature d'Aurore Berger, qui a été portée notamment par Valérie Pécresse, qui la soutient régulièrement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une dispersion des voix aussi à gauche, s'il y avait plusieurs listes à gauche ? Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de plusieurs listes. En tous les cas, en ce qui concerne... Parce que rien n'est clair de votre côté. Si, c'est très clair. Alors, il y aurait une seule liste de gauche, alors. Non, je vous ai déjà répondu deux fois, mais en ce qui concerne Aurore Berger, elle est extrêmement active, on dirait un petit peu le lapin Duracell, mais elle a besoin de beaucoup de soutien extérieur. J'ai remarqué qu'elle fait venir des pointures. Mmh. C'est peut-être drôle, mais pour l'instant, elle a un programme qui est vraiment extrêmement compliqué à suivre et à lire. Alors, quand elle parle de votre candidature, elle évoque une candidature fantôme afin de permettre au Front de gauche, au groupe Autre Monde, de mieux négocier des places sur une liste commune et au Parti socialiste ensuite de se poser en rassembleur. Le fantôme la salue bien. Elle emploie des termes qui ne sont pas très, très agréables. Je préférerais qu'elle fasse des propositions concrètes de manière à ce qu'on puisse débattre. En tous les cas, en ce qui nous concerne pour les élus du groupe Autre Monde, on continue à travailler, on tient les réunions avec les habitants, on continue à faire avancer nos dossiers. Donc tout va bien sur Magny-les-Hameaux. Quels sont les dossiers prioritaires justement pour vous, pour votre candidature sur une liste à gauche de la gauche, avec la gauche, on le verra dans les prochains mois, mais en tout cas, quels sont vos axes prioritaires ? Sur le contenu du programme, on est extrêmement attaché à tout ce qui touche au développement social, au programme écologique, tout ce qui est... On a mis en place pendant tout ce mandat un certain nombre de nouvelles orientations en la matière, et donc on entend bien pouvoir les continuer dans le mandat suivant. C'est long. C'est beaucoup trop long, à mon avis, à mettre en œuvre. On bute sur des problèmes de financement, comme toutes les communes. Quelles seraient les solutions, justement ? Parce que vous dites, c'est long, comment faire pour accélérer les solutions, c'est de refaire un mandat supplémentaire et de pouvoir aller jusqu'au bout de nos idées. Mais après, il manque des fonds aussi, il manque des financements. Comment ramener l'argent ? Il manque des fonds, c'est juste un peu plus long à mettre en œuvre. Voilà, on prévoyait de terminer, par exemple, des pistes cyclables en 2014. Il n'y a pas les financements du département, ça sera plutôt 2016. Et ben, il faudra le finir pendant le prochain mandat, très concrètement. Ça veut dire qu'il faut aussi redéfinir des priorités au sein de la mandature qui s'achève. Il faut remettre les choses à plat. Faut continuer. Et puis effectivement, il y a des choses à imaginer pour l'avenir. Là, on termine un mandat, donc il faut essayer de terminer ce qui est engagé. Et puis, justement, on travaille avec nos partenaires socialistes, les Verts, sur la définition du futur programme. Bien compris, vous discutez beaucoup en ce moment. On discute beaucoup. Entre Europe Écologie, les Verts, ou les socialistes. Hein. À Magny-les-Hameaux, on se voit les élus, on se voit tous les lundis soirs, tous les élus de la majorité depuis 15 ans. Donc, on n'a pas de problème pour discuter entre nous. Il y a eu un changement par rapport aux précédentes élections. C'est le départ de Jacques Lelioz en cours de mandat. Quel regard vous portez sur ce passage de relais, ce passage de témoin qui s'est fait à Bertrand Houillon ? C'est très bien passé, de manière très dynamique. Bertrand Houillon était bien préparé pour prendre le relais. Il a une vision extrêmement dynamique qui se rapproche très très fortement des orientations défendues par notre groupe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on pourrait vous retrouver éventuellement sur cette liste alors ? Ou lui sur la nôtre. Ah, donc vous seriez tête de liste ? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas je encore. Je ne sais pas. Effectivement, les choses sont loin d'être claires sur Magny-les-Hameaux. Non, c'est très clair. On discute et vous essayez de nous faire dire les choses avant qu'elles soient décidées. On aimerait bien savoir où en sont les discussions, électeurs. Vous le saurez. Oh, les électeurs, vous inquiétez pas. Les électeurs de Magny-les-Hameaux nous connaissent. On tient suffisamment de réunions publiques avec eux. Ils connaissent notre franc-parler. On ne fait pas dans la dentelle quand on parle avec eux. Voilà. Donc, quand ça sera le moment venu, vous saurez qui est tête de liste et s'il y a une liste d'Union de la Gauche
sur Magny-Lamont. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas. C'est ce que vous souhaitez, c'est le message que vous avez passé, en tout cas ce soir, même s'il reste encore des discussions en cours. On l'a bien compris. Merci Raymond Besco d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce numéro de Municipal 2014. Prochain rendez-vous politique sur TV Fil dans 15 jours, le 15 octobre. Les programmes qui se poursuivent sur TV Fil. Bonne soirée.